إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours 24 dans l'explication de les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, al-Arba'un al-Nawawiyya. Et on est arrivé aujourd'hui au hadith 13, al-hadith al-thalithu ashara. An Abi Hamza, Anas ibn Malik, khadim Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, khadim al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. C'est un hadith rapporté selon Abi Hamza, Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, sa cognée c'est Abu Hamza, ok. Et c'était le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme celui qui travaillait pour lui dans la maison, radiyallahu anhu. Et il a dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul d'entre vous n'est croyant tant qu'il n'a pas aimé pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Nul d'entre vous n'est croyant tant qu'il n'a pas aimé pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc c'est un hadith authentique. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit à propos de ce hadith, hein, ce hadith-là il est connu, hein, il est très célèbre, et le Cheikh Al-Fawzan il explique un petit peu ce hadith-là. إذ قوله عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هرب مالك أبو أنس من المدينة لأنه كان يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم فهرب إلى الشام ومات هناك كافرا وكان أنس رضي الله عنه طفلا صغيرا فجاءت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هذا أنس يخدمك فتقبله النبي صلى الله عليه وسلم ورباه ودعا له بقوله اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيت وصار يخدم النبي صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين من حين قدم المدينة إلى أن توفي وحاز بذلك فضيلة عظيمة وتربى على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من حسن تصرف أمه رضي الله عنها. Donc le Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il dit ici que Abu Hamza, Anas ibn Malik, c'était le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un de ses, comment on dit en français, c'est un servant, okay, serviteur, un de ses servants. Ok, c'était son servant. Il s'appelait Anas ibn Malik Al-Ansari. Il est parmi les habitants des Ansar, parmi les gens de Médine. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, son père, Malik, le père de Anas, s'est enfui vers la Syrie.
parce que lui il détestait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui il s'est enfui vers le nord, hein, il est parti, il a quitté Médine, puis il est allé mourir en Syrie kafir, il est mort kafir en Syrie. Son fils Anas, le fils de Malik, il était tout petit à l'époque, donc sa mère est venue voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec son fils Anas, et elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, voici je te donne mon fils pour qu'il soit à ton service, il va t'aider, il va travailler dans la maison, il va faire le travail pour toi, il va t'aider. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté ça et il l'a pris sous son toit et puis il l'a éduqué et il s'est occupé de lui et il a fait un dua pour lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua pour Abu Hamza, Anas ibn Malik, radiallahu anhu, et il a dit, oh Allah, augmente son bien, sa richesse, et augmente ses enfants, et mets-lui de la bénédiction dans ce que tu lui donnes. Donne-lui une bénédiction dans ce que tu lui as donné. Wa barik lahu fi ma ataytah. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ça c'est un dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait qui s'est exaucé. Parce que Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il a vécu pour, on dit qu'il avait environ une centaine d'enfants. Si je ne me trompe pas, une centaine d'enfants. Il avait deux jardins, je pense, ou un grand jardin avec des palmiers, des dattes et tout. Et il produisait deux fois par année, des dattes, deux fois par année. Et il avait aussi vécu très 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 longtemps. Hein? Donc c'est pour dire comment Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé la dua du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour Anas. Donc il a servi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. À partir du moment où sa mère l'a amené jusqu'à la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à cause de ça, il a obtenu, disons, un grand mérite à cause de ça, du fait qu'il a été éduqué par la main du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, ça fait partie des bonnes décisions que sa mère a prises. Hein, du fait qu'elle a pris une décision vraiment sage et bonne de présenter au prophète sallallahu alayhi wa sallam son fils pour qu'il soit justement éduqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est un exemple en même temps pour les mères qui sont intelligentes, mashallah, qui sont veuves parfois même, et elles sont toutes seules à élever des enfants. Il y a beaucoup d'exemples comme ça parmi les même des grands ulama de l'islam lorsqu'elles ont eu des enfants. Comme par exemple la mère de l'imam Ahmad ibn Hanbal, son père était mort quand il était petit, et bien sa mère elle l'a amené chez les ulama, puis pour qu'ils apprennent des ulama, l'islam et les hadiths et l'ilm. Donc il y a beaucoup d'autres exemples comme ça, des femmes qui ont amené leurs enfants chez les ulama pour que leurs enfants apprennent. Et ils sont devenus des grands ulama par la suite. Donc c'est très important que la mère et le père aussi veillent à une bonne éducation de ses enfants, qu'elle amène ses enfants vers des gens qui vont donner une bonne éducation, hein, et de faire en sorte que tu vérifies chez qui aussi tu les amènes, pas n'importe qui. C'est pas juste tu veux que tes enfants apprennent le Coran, tu vas les mettre chez n'importe qui enseigne le Coran, tu vérifies, hein, tu fais attention, tu prends pas n'importe qui. Donc il y a beaucoup de leçons qu'on pourrait tirer de ça, juste par exemple les gens qui ont des enfants qui les amènent ici, au Canada ou bien aux pays occidentaux, soi-disant pour venir faire des études. Et puis, à la fin, ils perdent les bonnes manières de l'islam, le bon comportement de l'islam, ils perdent même parfois la aqidah, la foi islamique et tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire attention à ça. Et puis, avant de les envoyer dans ces pays de Kofiani pour apprendre d'autres choses que l'islam, eh ben de les envoyer apprendre leur islam chez les ulama ou chez dans des bonnes écoles islamiques ou des choses de ce genre. Ça c'est la meilleure chose que quelqu'un peut faire pour ses enfants. Après le cheikh il dit wa qawluhu la yu'minu ahadukum
أي لا يكمل إيمانه وليس معناه نفي أصل الإيمان حتى يحب لأخيه يعني ما يحب لنفسه يعني من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه يكون إيمانه ناقصا وليس المراد هنا أخاه من النسب بل المراد بأخيه كل مسلم ولأن المؤمنين إخوة كما قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فيجب لأخيه فيحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه لأن المسلمين نفس واحدة وجسد واحد يتألم بعضهم لألم البعض ويفرح بعضهم لفرح البعض ويتبادلون المنافع بينهم ويكفون الأذى عن بعضهم مع بعض وهذا شأن المسلمين. Le Cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ensuite, nul d'entre vous n'est croyant. Ici, le Cheikh Al-Fawzan, il dit, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Ça ne veut pas dire que la personne, elle n'a pas de foi du tout, qu'elle est kafir. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que sa foi, elle ne sera pas complète. Ok? Donc la foi de l'un d'entre vous ne sera pas complète. C'est ça que ça veut dire. Pas que vous n'êtes pas croyant du tout, que vous êtes des kuffars. Si vous n'aimez pas pour votre frère, ce que vous aimez pour vous-même, ça dépend. Hein? Et c'est seulement que votre foi ne va pas être complète tant que vous n'avez pas aimé pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. C'est-à-dire, celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, sa foi elle est faible. Sa foi elle n'est pas complète. Sa foi elle est déficiente. Il y a un problème dedans. Ça, ça ne veut pas dire ici ton frère de sang là, celui qui est de la même mère et du même père que toi, ou du même père que toi, ou même mère que toi, non. Ça veut dire ton frère dans l'islam. Donc chaque musulman c'est ton frère. Ok? Et les croyants sont tous des frères, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 10, dans surat al-Hujurat, il dit, les croyants ne sont que des frères. Donc tu aimes pour tes frères musulmans le bien, comme tu l'aimes pour toi-même. Tu aimes pour les musulmans tout ce que tu aimes pour toi-même parce que les musulmans sont comme un seul corps. Et ils sont comme une seule âme et un seul corps. Et s'il y a une partie qui souffre, tous les autres sont supposés de ressentir cette souffrance. Et s'il y en a parmi eux qui se réjouissent, eh bien, on doit se réjouir pour eux également, parmi les musulmans, parmi les croyants. Et on s'échange les biens, qu'est-ce qui est bon et bénéfique entre nous. Et lorsque quelque chose est nuisible ou quelque chose est mauvais pour un, eh bien, on essaie de l'empêcher de faire en sorte que cette personne-là tombe pas dans qu'est-ce qui est mauvais ou qu'est-ce qui est nuisible pour elle. Ça c'est le comportement des musulmans. Ça c'est la manière des musulmans entre eux. Ok. Et ça c'est très important. Nous aujourd'hui, on a perdu cette compréhension-là et cette signification-là de l'islam. Puis on pense toujours au bien pour nous-mêmes, en premier, on oublie toujours les autres. Hein? On pense au bien pour nous-mêmes, on pense pour nous-mêmes et on oublie les autres. Et des fois ça arrive, on voit qu'il y a des musulmans, malgré tout, qui ont le sentiment de penser à leurs frères quand ça concerne des choses de la dunya. Et ils aiment le bien pour eux comme ils aiment pour eux-mêmes, ils aiment pour les autres aussi. Mais il y a quelque chose aussi qu'ils négligent parfois, qui est un peu plus important que ça, c'est les questions qui ont rapport avec le din, les questions qui ont rapport avec la guidance, avec la foi, avec l'iman. Donc ça veut dire que si tu aimes le bien pour toi-même, dans le sens aussi que si tu aimes pour toi-même l'islam, le tawhid, la sunna, l'ilm, hein, la science de l'islam, la foi, toutes ces choses-là de bien, tu dois aussi aimer toutes ces choses-là pour tout le monde, pour tous tes frères. Donc ça veut dire que si tu vois des musulmans qui sont en train de s'éloigner de l'islam, ou s'éloigner de la sunna, ou s'éloigner de quelque chose qui est bénéfique pour eux dans la foi, bénéfique pour eux dans la religion, ton devoir c'est de faire en sorte de les rappeler, de leur rappeler ça, de les ramener au droit chemin, de leur expliquer ce qui est halal, de leur expliquer ce qui est haram, de leur expliquer ce qui est sunna, qu'est-ce qui est bid'a, qu'est-ce qui est kufr, qu'est-ce qui est shirk, qu'est-ce qui est tawhid,
pour pouvoir faire en sorte qu'ils ne vont pas s'égarer, qu'ils ne vont pas se dévier du droit chemin. Si tu l'aimes pour toi-même, ça, tu dois l'aimer pour ton frère. Sinon, ta foi n'est pas complète, ta foi n'est pas parfaite. Puis ensuite de ça aussi, les choses de la dunya, hein, ainsi de suite. Mais la religion, c'est bien entendu la priorité. Puis le chef, il dit, وَمِنْ لَازِمِ قَوْلِهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ أَنْ يَكْرَهَ الْمُسْلِمُ لِأَخِيهِ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ كَمَا أَنَّكَ تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ الشَّرَّ وَالضَّرَرَ فَإِنَّكَ تَكْرَهُ أَيْضًا لِأَخِيكَ تَكْرَهُهُ أَيْضًا لِأَخِيكَ فَلَا تَتَنَاوَلُهُ بِشَرٍّ ولا تضر به ولا تغشه ولا تخونه لأنك تكره هذه الأمور لنفسك. فهذا الحديث من جوامع الكلم من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على كمال إيمان من اتصف بهذه الصفة، ومن فقدها فإن إيمانه يكون ناقصا. ففيه الحث على المؤاخاة بين المسلمين وعلى تبادل النفع المعنوي والمادي. النفع المعنوي التناصح والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمادي بمساعدته إذا احتاج مالا. وليس ذلك الحديث مقصورا على أن تعطي أخاك شيئا من المال، فهذا مطلوب، ولكن ليس هذا هو المقصود وحده، بل هناك ما هو أعظم منه، أنك إذا رأيته على معصية تنهاه وتنصحه فيما بينك وبينه، لأنك تكره لنفسك هذا الشيء فتكرهه لأخيك، وتعلمه إذا رأيت عليه جهلا في أمور دينه، وتبين له وترشده. وهذا أعظم من بذل المال، فينبغي أن يسود هذا بين المسلمين. سبحان الله. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce que ça implique aussi ce hadith là? Ça implique également que quand le prophète صلى الله عليه وسلم a dit jusqu'à ce que tu aimes, ta foi ne sera pas complète, jusqu'à ce que tu aimes pour ton frère, ce que tu aimes pour toi-même, il dit que le musulman il doit en même temps. Ça implique le contraire aussi. Ta foi ne sera pas complète tant que tu n'as pas aimé pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Ça implique le contraire, c'est-à-dire que ta foi ne sera pas complète tant que tu n'auras pas détesté pour ton frère ce que tu détestes pour toi-même. Hein? C'est le sens contraire, mais il est vrai également. Et donc, en principe général dans l'islam, l'affirmation d'une chose, c'est la négation de son contraire. Et la négation d'une chose, c'est l'affirmation de son contraire. Donc là, ici, c'est la même chose ici. Le cheikh il dit, de la même manière que toi tu détestes pour toi-même qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est nuisible, alors tu dois le détester aussi pour ton frère. Et donc tu ne dois pas rien faire pour lui donner quelque chose de mal, ou quelque chose qui peut lui nuire, ou le tromper, ou le trahir. Donc tu détestes ça pour toi-même. Tu détestes que quelqu'un te trahisse, tu détestes que quelqu'un te mente, tu détestes que quelqu'un te vole ou te fasse quelque chose de mal. Donc tu dois le détester aussi pour les autres, tu dois le détester pour tes frères et pour tes sœurs aussi, hein, pour tous les musulmans. Donc pourquoi? Parce que tu détestes ces choses-là pour toi-même aussi. Donc dans ce hadith, on peut voir que il y a ce qu'on appelle jawami' al-kalim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilisait peu de mots pour dire beaucoup de choses. C'est ça que ça veut dire, jawami', ça veut dire quelque chose qui rassemble, qui réunit, hein. Al-kalim, c'est le pluriel de kalima, c'est-à-dire la parole. Donc, jawami al-kalim, des paroles qui sont concentrées, qui sont en peu de mots, mais qui ont beaucoup de sens. Ok? Donc, ça fait partie des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des choses qu'il a reçues d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il parle de cette manière-là. Et, donc le cheikh dit, il y a la preuve dans ce hadith que la personne qui a cette caractéristique-là en elle-même, qui aime pour les autres le bien, comme elle l'aime pour elle-même, et qui déteste pour les autres le mal, comme elle déteste le mal pour elle-même, cette personne-là, c'est la preuve que sa foi, elle a été complétée. Que sa foi,
elle est complète. Ça, c'est une des preuves que cette personne-là, elle a complété sa foi. Et que celui qui n'a pas cette caractéristique-là en lui-même, que sa foi, elle est déficiente, il y a un problème dans sa foi. Et il y a également, dans ce hadith, l'incitation pour que les musulmans agissent les uns avec les autres comme des frères, et pour qu'ils s'échangent entre eux toutes choses bénéfiques, que ce soit abstraites ou des choses abstraites ou des choses matérielles. Quand on parle de choses abstraites, on parle de s'échanger, par exemple, des choses qui sont comme le bon conseil, de s'encourager, de se donner le bon conseil les uns les autres, d'être sincères les uns envers les autres dans le bien, de s'enseigner les uns les autres les choses qu'on a apprises, d'ordonner le bien et d'interdire le mal les uns aux autres. Et quand on parle de qu'est-ce qui est bénéfique et de s'échanger qu'est-ce qui est bon entre nous dans les choses matérielles, eh bien, on peut aussi parler de, par exemple, le fait de s'aider lorsque quelqu'un a besoin d'argent. Et le cheikh, il dit qu'il ne faut pas penser que ça se limite seulement à donner à ton frère de l'argent. Parce qu'il y a des gens qui pensent ça. Il y en a qui pensent que ce hadith-là, ça parle juste de donner à son frère de l'argent. Subhanallah. Il y a des frères. Et des fois, il y a un frère, il te voit avec de l'argent dans tes mains. Il dit, ah, tu dois me le donner parce que si t'aimes pour ton frère, qu'est-ce que t'aimes pour toi-même, tu dois donner ce que t'as dans tes mains. Mais ça veut pas juste dire ça, tu vois. Parce que si c'est comme ça, on va toujours se donner l'argent comme ça, hein. Je te le donne, après tu me le redonnes. Après je te le donne et après tu me le redonnes. À chaque fois. Hein. Ça me fait penser à une histoire quand je lisais, quand j'étais plus jeune, il y avait une bande dessinée, ça disait, c'est un homme, un personnage, il voulait voler aux riches pour donner aux pauvres. Alors quand il volait le riche, c'est lui qui devenait riche maintenant. Elle dit, ah, maintenant ça y est, c'est moi qui est devenu riche, donc c'est toi qui dois me voler maintenant. Et là ça finissait plus. Donc ça c'est juste ça, par rapport, mais c'est juste pour dire que des fois c'est des choses comme ça, les gens pensent que c'est juste une question d'argent. C'est pas que une question d'argent. Le cheikh, il dit, il y a quelque chose d'encore plus important que l'argent. Il dit, c'est lorsque tu vois ton frère, par exemple, en train de faire un péché, que tu lui interdis de faire ce péché-là, et que tu lui donnes le bon conseil, en privé, hein, entre toi et lui. Tu t'en vas le voir et tu lui expliques cette erreur-là, hein, ce péché-là. Tu lui parles pour qu'il cesse de le faire. Pourquoi? Parce que tu détestes toi-même ce péché-là pour toi-même. Donc, puisque tu le détestes pour toi-même, tu dois aussi le détester pour ton frère. Et donc, tu vas lui enseigner, lorsque tu le vois, par exemple, si tu vois que ton frère, il a une certaine ignorance, il ignore certaines choses, eh bien, tu t'en vas le voir, puis tu lui apprends cette chose-là qu'il a ignorée. Et ça va être la preuve que tu veux du bien pour lui, comme tu veux du bien pour toi-même. Ok, donc, c'est la même chose pour toutes les affaires de la religion. Et donc, ça c'est très important d'avoir ce principe-là, de bien le comprendre. En particulier, qu'est-ce qui a rapport avec la religion. Et le cheikh, il dit, c'est pas, donc ça, tout ça, ces points-là, c'est plus important que l'argent. Et c'est cette idée-là qui doit être poussée de l'avant chez les musulmans. C'est cette idée-là que les musulmans doivent avoir dans leur conscience. Et c'est ça qui devrait régner entre les musulmans maintenant, cette pensée-là, cette idée-là. Et si on agit selon ce hadith-là, dans cette signification-là, si on l'a bien compris et qu'on l'applique, c'est sûr que cette umma sera la meilleure umma maintenant. Qu'il n'y a personne qui pourra arrêter les musulmans. Hein? Le problème, c'est qu'on n'agit pas parfois selon ce hadith. Et qu'on n'aime pas pour nos frères ce qu'on aime pour nous-mêmes. Et parfois, on aime le mal pour nous-mêmes. Donc, si quelqu'un aime le mal pour lui-même, sinon, ça marche plus, hein. Si quelqu'un aime le mal pour lui-même, il aime tout ce qui est haram pour lui-même. Alors il pense que le bien pour ses frères, c'est de leur donner qu'est-ce qui est haram. Dans ce cas-là, c'est mauvais. Et donc on s'égare dans ce cas-là. Donc il faut bien entendu connaître qu'est-ce qui est bon, connaître qu'est-ce qui est bien, et vouloir qu'est-ce qui est bien, le faire et donner le bon conseil à nos frères, aimer pour eux le bien, et détester le mal, etc. Donc, sur le plan de la da'wah, ça s'applique aussi. Il y a des prêcheurs, il y a des gens des fois qui parlent de l'islam, qui enseignent aux gens des choses qui sont incorrectes, qui sont contraires à la religion, qui sont contraires au Coran, contraires à la sunna, qui invitent à des bid'ahs, qui invitent à de l'égarement. Eh bien, si tu aimes pour ton frère le bien, c'est de l'avertir contre ces gens-là.
l'avertir contre ces prêcheurs-là, l'avertir contre ces ignorances, il y a des gens qui appellent au mal. Donc ça, on voit que ce hadith-là, il est très vaste, si on veut comprendre toutes ses significations. Mais bon, on va s'arrêter à ce point-là, qu'est-ce que le cheikh a mentionné. Puis on va passer maintenant à l'autre hadith, qui est le hadith 14, le hadith al-Rabi'a Ashar. C'est عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. C'est un autre hadith que l'imam al-Nawawi a mentionné dans son livre, qui fait partie des hadiths qui sont très importants. Le cheikh, donc, il rapporte ce hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le sang d'un musulman n'est pas permis pour un autre musulman, excepté pour une des trois choses suivantes. Le sang d'un musulman, il n'est pas permis de le faire couler, de le faire, c'est-à-dire la vie d'un musulman, on peut pas la prendre, c'est sacré, hein, c'est haram de tuer un musulman, excepté pour trois raisons. La première raison, c'est un homme qui est marié, qui commet le zina, ou une femme qui est mariée, qui commet le zina. Le deuxième, c'est lorsqu'il y a un meurtre, quelqu'un a tué quelqu'un, c'est lui-même qui sera exécuté par la suite. C'est ça la punition du meurtre. Et la troisième catégorie, ou le troisième exemple, c'est la personne qui abandonne la religion et qui se sépare de la jama'a. Bon, ça c'est les trois cas. Dans ces trois cas-là, la personne qu'on attrape avec ces péchés-là ou ces problèmes-là, il sera exécuté après avoir été jugé par le juge dans un pays musulman, dans la cour, dans un tribunal musulman. Et qu'on aura prouvé que cette personne-là, soit par des témoins, soit par d'autres preuves, des indices, que la personne a commis ces péchés-là, que la personne a été condamnée pour ces péchés-là, pour ces crimes-là, eh bien, la peine islamique sera exécutée sur ces gens-là, et cette peine-là, c'est ces peines-là qu'on va mentionner. Le cheikh Al-Fawzan explique, il dit déjà à l'islam, بالضرورات الخمس وهي حفظ الدين بقتل المرتد الذي يتلاعب بالدين وحفظ العقل بحفظه من كل ما يضره من المسكرات والمخدرات وحفظ النفس بالقصاص من القاتل وحفظ المال بقطع يد السارق وقاطع الطريق وحفظ العرض بجلد القاذف الذي يقذف المسلم بالزنا أو فعل الفاحشة فإنه يجلد 80 جلدة إلا أن يأتي بأربعة شهود يثبتون ما يقول وإلا فإنه يجلد وهذا حفظ لأعراض المسلمين وفيه حفظ النسل لأن الزنا يخلط الأنساب ويسبب الأمراض ويذهب في الحياء فخطره عظيم. Donc le cheikh il dit que l'islam il est venu pour protéger cinq choses qui sont essentielles dans la vie. Ces cinq choses essentielles dans la vie, c'est quoi? La première, c'est la religion. La deuxième, c'est la raison. La troisième, c'est la vie. La quatrième, c'est les biens. Et la quatrième, c'est l'honneur. La cinquième, c'est l'honneur. D'accord? C'est quoi? La religion, la raison, la vie, les biens, l'honneur. Cinq choses que l'islam est venu protéger et défendre et qui sont essentielles. Hein, je les répète encore, la religion, la raison, la vie, les biens, l'honneur. Ça, c'est les cinq choses que l'islam est venu protéger. Le chef, il fait un petit résumé de chacun de ces points-là, comment l'islam est venu protéger ces choses-là. Il dit, premièrement, l'islam est venu protéger la religion par le fait qu'il y a une peine
dans l'islam pour la personne qui a abandonné la foi et qui a quitté la foi de l'islam, pour l'empêcher, pour empêcher que les gens jouent avec la religion et prennent la religion comme un jeu. C'est la peine de l'apostasie. Had al-ridda, on appelle ça. Qatl al-murtad, on tue l'apostat ou la personne qui a quitté la religion. D'accord? Hifd al-aql, la protection de la raison. Et bien ça, c'est dans le fait que l'islam vient interdire tout ce qui est intoxicant ou tout ce qui est, yani, disons, des boissons alcooliques ou des drogues ou des choses qui peuvent nuire à la raison ou à l'esprit, qui peuvent diminuer le niveau de conscience d'un individu. Donc l'islam vient interdire ça, et en plus de ça, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, et en plus de ça, l'islam a même établi des peines, des punitions pour les personnes qui sont attrapées en état d'intoxication. Eh bien, ces gens-là seront punis par une certaine punition dans la loi islamique. Si je ne me trompe pas, c'est 40 coups de fouet. Hein? La protection de la vie, c'est-à-dire que dans l'islam, la vie, elle est protégée. Si quelqu'un tue, la punition pour ça, c'est qu'il sera exécuté lui aussi. C'est la peine. C'est la loi du talion. La loi du talion, c'est-à-dire la justice absolue. Que celui qui tue, il est tué. Hein? Et œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Donc c'est ça la loi du talion. Et ça, c'est la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, hifdul mal, de préserver les biens. De préserver les biens, c'est-à-dire que l'islam est venu préserver les biens contre les gens qui veulent voler les biens, contre les voleurs et les brigands, les hors-la-loi, qui volent soit dans les magasins, les maisons ou autres, ou bien sur la route, qui font des cambriolages ou des choses comme ça, des hold-up ou des trucs comme ça, tout ce qui a rapport avec le vol, eh bien, la peine, c'est couper la main du voleur, hein, ça c'est pour protéger les biens des hommes. Et il y a un autre exemple aussi, c'est la protection de l'honneur, que l'islam est venu protéger, l'honneur. Hein. Parce que dans l'islam, l'honneur, elle est très importante, très grande et respectée. Dans l'islam, dans un pays musulman, si quelqu'un t'insulte, tu as le droit de l'amener en cour. Si quelqu'un manque à ton, atteint ton honneur, tu as le droit de l'amener en cour pour demander que ce soit réparé. Ici n'importe qui peut insulter n'importe qui. Hein? Ça fait rien. Ouais, n'importe comment. Dans une maison. Bon, si ça arrive à un niveau, certain niveau ici, bon, peut-être ils vont faire quelque chose, atteinte à je sais pas quoi là, à l'intégrité ou des choses comme ça. Mais sinon, la plupart des gens insultent n'importe les gens s'insultent, se disent n'importe quelle bêtise dans la rue, personne n'a de respect. Dans l'islam, si quelqu'un insulte quelqu'un dans la rue ou n'importe où, il a le droit de l'amener en cour et de demander son droit. Hein? C'est très important l'honneur dans l'islam. Et le cheikh il donne des exemples aussi, il dit que l'honneur dans l'islam, il est protégé du fait que la personne qui accuse un autre d'avoir commis l'adultère, ou d'avoir commis une autre fahisha, comme l'homosexualité ou autre, et qui n'a pas produit 4 témoins, il sera fouetté, 80 coups de fouet. Hein? Donc si quelqu'un, il accuse une fille, mais elle fait le zina. C'est déjà arrivé même à Montréal. Quelqu'un qui accusait une fille comme ça, subhanallah. Il y a quelqu'un qui était venu à la mosquée, dans Arkham, je me rappelle, il a écrit une lettre, il a mis ça dans la boîte de sadaqa. Et puis quand, sur la lettre, t'as écrit toute une histoire sur une fille, soi-disant, ah, elle fait le zina, elle fait ci, elle fait ça. Après, cette personne qui a écrit la lettre, elle est venue me voir après, elle me dit, ah, je m'excuse de la lettre que j'avais mise dans la boîte, je me suis renseigné, la personne qui a écrit ça, elle a dit que finalement, elle s'était trompée, c'était pas elle. Tu vois? Donc, tu propages ces idées-là et ces paroles-là sur les gens, après tu dis, je m'excuse, c'est pas elle, t'as gâché toute sa réputation, t'as sali son honneur, ça c'est grave.
Donc, dans l'islam, si quelqu'un, il répand des faussetés sur quelqu'un, surtout des questions qui ont rapport avec zina, qui ont rapport avec autre fawahish comme ça, et qui n'a pas des preuves, il doit recevoir des coups de fouet. Il doit recevoir 80 coups de fouet. Ça, c'est dans la charia. Même s'il l'a vu, même s'il a vu qu'il n'a pas capté moi, il ne doit pas en parler, il ne doit pas dire ça. Hein? Il faut qu'il y ait 4 témoins. S'il n'y a pas 4 témoins, il va prendre les coups de fouet. Hein? Donc c'est grave. Et ce n'est pas juste qu'il l'a vu, là, juste comme. Hein? S'il a vu un homme avec une femme tout seul, dans un coin, ça, ce n'est pas une preuve pour qu'il dise je les ai vus faire le zina. Non. Ou même, il les a vus sortir d'une chambre ou d'une maison et qu'ils ne sont pas mariés. Ce n'est pas une preuve qu'ils ont fait le zina. Il faut qu'ils les ont vus faire l'acte explicitement. Sinon, il ne peut pas, le dire comme ça. Hein? Donc, il faut faire attention de qu'est-ce que les gens racontent et de qu'est-ce que les gens disent. Hein? Et l'honneur de des gens, c'est très important. C'est sacré. Donc, ça, c'est pour cette chose-là. Ça, c'est dans le but de protéger l'honneur des musulmans et de protéger aussi les liens de parenté. Parce que le zina, qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que ça mélange les liens de parenté, ça mélange les familles d'une façon désordonnée. Et ça cause des maladies aussi, on le sait. Hein? Il y a des gens qui n'aiment pas ça qu'on dise ça. Ils disent, ah, mais non. Oui, ça, c'est quand les gens font le zina, ils font n'importe quoi, ça cause des maladies. Mais eux, ils veulent pas admettre ça. Et ça, non, des maladies transmises sexuellement. Hein. Les gens font le zina, ils attrapent toutes sortes de maladies. Hein. Et aussi, ça enlève la pudeur que la personne a dans son cœur. Ça lui fait partir cette pudeur, cette haya, cette timidité. Ils deviennent pervers. Donc, il y a beaucoup de danger, il y a beaucoup de mal dans ces choses-là. Maintenant, le chef, il explique, il dit, فهذه ضرورات جاء الإسلام بحفظها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم, هذا الحديث لا يحل دم امرئ مسلم. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فدخل في الإسلام فإنه دخل في الإسلام وحرم دمه وماله. كما قال صلى الله عليه وسلم, أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فمن أظهر الإسلام قبلناه واحترمنا دمه وعرضه وماله وصار أخا لنا, فلا يجوز التعدي عليه إلا إذا ارتكب أحد ثلاثة أمور, فإنه يحل دمه ولو كان مسلما حفظا للضرورات. وهذه الأمور هي دونك الشيخ الفوزان الذي سي 5 choses essentielles que l'islam est venu protéger. On les a énumérées tout à l'heure, on va les répéter encore. C'est premièrement l'islam, la religion, parce que c'est la plus importante. Ensuite la raison, ensuite la vie, ensuite les biens, ensuite l'honneur. Donc c'est 5 choses que l'islam est venu protéger et garder, préserver, c'est ces choses-là. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le sang du musulman, il n'est pas permis de le faire couler. Celui qui a dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alors il est entré dans l'islam, et à partir de ce moment-là, son sang, ses biens et son honneur deviennent haram, deviennent sacrés. À partir de ce moment-là, son sang, ses biens, son honneur deviennent sacrés. Ses biens, c'est sa richesse. Hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il donne l'exemple, la preuve de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on m'a ordonné de combattre les hommes. On m'a ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils témoignent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est son messager. Et qu'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat.
et une fois qu'ils auront fait ça, ils seront protégés contre moi dans leur bien et dans leur personne et dans leur sang et dans leur bien, excepté pour un des droits de l'islam, et leur jugement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui va les juger pour le reste. Donc celui qui montre ouvertement qu'il est musulman, on l'accepte et on respecte son sang, on respecte ses biens et son honneur, et il devient notre frère. Et il n'est pas permis pour nous de transgresser vis-à-vis de lui, excepté pour celui d'entre les musulmans qui commet une des trois choses qu'on va mentionner. C'est-à-dire, on va les mentionner, c'est la première, on a dit le meurtre, le deuxième c'est le zina, et le troisième c'est azedda, c'est les trois choses. Donc il n'est pas permis de tuer un musulman ou qu'un musulman soit tué, excepté pour préserver ces nécessités-là, ces choses essentielles qu'on a mentionnées, les cinq points tout à l'heure. Et parmi ces cinq points-là, ces cinq choses-là, il y a les suivantes. الأول وعليكم السلام ورحمة الله الأول النفس بالنفس والقصاص قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص كتب يعني فرض فالقصاص فرض إذا طالب به المجني عليه أو وليه يجب عليه ويجب على ولي الأمر أن ينفذ القصاص حفظا للدماء قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. OK, donc le cheikh explique, il dit que la première chose c'est le meurtre, et c'est-à-dire que lorsque il y a une personne qui a tué une autre, eh bien il faut établir le talion. Il faut établir la loi du talion, c'est-à-dire une vie pour une vie. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, dans Surat al-Baqarah, le verset 187, il dit وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. Oh, pardon, ça c'est un autre verset. Le verset dont je parle c'est كُتِبَ عَيَا إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصِ. Oh, vous qui avez cru, on vous a prescrit le talion, la loi du talion. C'est-à-dire, on vous a rendu obligatoire d'appliquer cette loi-là et cette règle. C'est-à-dire que si la personne, c'est-à-dire la victime ou bien les descendants de la victime, les héritiers de la victime, hein, la famille de la victime, demandent que le sang de cette personne-là soit venger, ou que, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un s'est fait tuer, ses héritiers sont ceux qui vont être responsables, c'est-à-dire c'est eux qui vont demander par rapport au criminel, par rapport à celui qui a fait le meurtre. Wa alaykoum salam Muhammad, comment ça va fi? Alhamdulillah, inshallah. Parfait fi, barakallahu fi. Et Inch'Allah, il est revenu, notre frère. Bon, donc si par exemple quelqu'un a été tué, donc sa famille, c'est eux qui sont responsables par la suite, ils ont le choix. Soit qu'ils peuvent exiger que cette personne qui a commis le crime, elle soit punie et qu'elle soit exécutée. Et ils ont aussi un autre choix, c'est de l'excuser. Ils ont le choix de l'excuser dans l'islam. Donc ça veut dire que si quelqu'un il a tué ton frère ou ton père ou quelqu'un et que ils l'ont attrapé, après toi, tu as le choix. Tu peux dire oui, je veux qu'on l'exécute, ou bien tu peux aussi dire non, je le laisse, je le pardonne et l'excuser, et qu'il ne sera pas exécuté. Hein? Ça dépend. Les ulama, ils ont dit ça dépend. Dans certains cas, c'est mieux de l'excuser, dans certains cas c'est mieux qu'on applique la punition sur lui. Et Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Ibn Uthaymeen, il expliquait ça justement dans un charh qu'il a fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ.
Et le cheikh expliquait que par rapport à ça, c'est que si dans le fait que tu vas l'excuser, la personne va se réformer, qu'elle va se corriger, puis qu'elle va devenir meilleure, dans ce cas-là, c'est mieux de l'excuser. Si c'est une personne qui l'a fait une fois, elle a fait ça par accident, elle a du regret, du remords, elle a honte de ce qu'elle a fait, et puis elle s'est repentie, cette personne-là, tu l'excuses. Si la personne, c'est une personne qui est négligente, une personne qui est insouciante, indifférente, qui s'en fout, qui le fait plusieurs fois, ou bien qui l'a déjà fait, ou bien qui vit dans le crime ou les choses mauvaises, cette personne-là, c'est mieux de faire que la punition soit appliquée sur elle, pour éviter qu'elle le refasse encore. Hein? C'est ça qu'il expliquait le chef. Il dit, parce qu'il y a des gens comme ça, c'est ça qu'ils font. Ils font des choses, et ils le répètent à chaque fois, et ces gens-là, si tu leur fais, si tu as pitié d'eux et que tu les excuses, ils vont ressortir, ils vont le refaire encore à chaque fois. Et là, dans ce cas-là, tu leur as pas fait du bien en les excusant. Hein? Donc ça, c'est un point à ce sujet-là. Et donc, le chef, il dit, donc on a établi le qisas. Et dans ce cas-là, du moment que les responsables, les awliyas, ceux qui sont les proches du défunt, de la victime, du moment qu'ils ont exigé l'application de la peine sur lui, alors dans ce cas-là, le dirigeant doit faire appliquer la peine sur ce criminel et le faire exécuter. D'accord? Et ça c'est dans le but de préserver le sang. Hein, et Allah subhanahu wa ta'ala dit justement dans le verset 179 de Surah Al-Baqara, « وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » Et il y a dans l'application du talion, il y a une vie pour vous. Oh, vous qui avez la raison, vous qui avez la tête, dans le but que vous puissiez atteindre la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça c'est pour faire comprendre en fait que dans Al-Qisas, il y a la vie. Pourquoi? Parce que le fait d'appliquer la loi du talion, c'est ça qui va faire en sorte que la vie sera préservée et protégée. Quand quelqu'un, il sait que s'il tue quelqu'un, il va être tué. Eh bien, il va réfléchir beaucoup plus avant de le faire. Tandis que si tu lui dis, ah, mais si tu fais le crime, tu vas aller en prison pendant quelques années, après tu vas sortir. Non, pour le meurtre, c'est pas 4 témoins. Il faut des témoins, mais c'est pas nécessaire que ce soit 4. Non, c'est pas la même chose. Ok? Mais bien sûr, il faut qu'il y ait des témoins. Si c'est un meurtre qui s'est produit en présence de témoins, il faut qu'il y ait des témoins. S'il n'y a pas de témoins, mais qu'il y a des indices qui peuvent nous montrer que cette personne, c'est elle qui a fait tel crime, alors là, avec les indices, on va établir la preuve contre ce criminel-là. Hein? Ensuite, le cheikh, il dit, فَإِذَا تُرِكَ الْقِصَاصِ سُفِكَتِ الدِّمَاءِ. Donc c'est ça, s'il n'y a pas de punition qui va être appliquée, de peine qui va être appliquée contre le meurtre, et qu'on laissait tout le monde faire tuer qui il veut, et qu'on n'appliquait pas de peine sur les gens, tout le monde pourrait faire des meurtres, tout le monde tuerait tout le monde, et personne n'aurait peur d'eux. Ce serait comme la loi de la jungle. Hein? Le plus fort, c'est lui qui prend les plus faibles, qui tue tout qui il veut. Et c'est pas comme ça la bonne voie. Donc, qu'est-ce qu'il dit le chef? Ensuite, il dit, فَإِذَا تُرِكَ الْقِصَاصِ سُفِكَتِ الدِّمَاءِ وَانْتَشَرَ الْخَوْفُ وَالرُّعْبُ فِي الْمُجْتَمَعِ أَمَّا إِذَا قُتِلَتْ نَفْسٌ وَاحِدَةٌ ظَالِمَةٌ ارْتَدَعَ الْجَمِيعُ وأمن المجتمع وحقنت الدماء وهذا لا يكون إلا في الإسلام أما أنظمة الكفر والأنظمة البشرية فإنها تمنع القتل وتحمي الظالم والمعتدي وتساعده وترحم المجني عليه ولا ترحم المجنى عليه أو المجنية عليه
ولا ترحم المجتمع وإنما ترحم الظالم المعتدي وتحميه غاية ما يعملون معه أنهم يحكمون عليه بالسجن 500 سنة أو 400 سنة أو مدة حياة ثم يعفون عنه ويخرجونه فهم يشيعون فقط أنهم حكموا عليه بهذا الحكم أما التنفيذ فليس هناك تنفيذ ولو نفذ أو ولو نفذ فإنه لا يكفي بل لا بد من الحسم والقصاص منه بقتله وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى Qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Subhanallah. Il dit que si on abandonnait le qisas, le sang coulerait et la crainte et la peur seraient répandues dans la société. Parce que chaque fois il y aurait des meurtres, les personnes seraient punies. Hein, c'est souvent ça qui arrive dans les villes où il y a beaucoup de crimes, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'autorité. Hein. Il y a des endroits comme ça, je me rappelle même, il y a des endroits où il n'y a pas de... disons, l'État, il n'est pas fort, il n'y a pas de police, et c'est chacun qui fait sa loi. Chacun, il a son arme, et c'est lui qui fait ce qu'il veut. Hein? Et le plus fort, c'est lui qui tue les gens. Donc les gens, ils ne sont pas en sécurité quand ils sortent dehors, ils ont peur, hein? Ils craignent pour leur vie, ils craignent pour leur bien. Ça va, Mohamed? T'as tardé, Afi? T'étais dans le fin fond de la France, là, ça y est. Hein? T'es revenu, mashallah, barakallahu fik. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Bien, mashallah. Ça va? Alhamdulillah. Donc, on continue, inshallah, le cheikh, il dit, amma. Donc, il dit, par contre, si la personne qui a fait le mal et qui a fait l'injustice, elle est exécutée, alors là, tout le monde a peur dans la société. Tout le monde va savoir qu'il y a une discipline, il y a une règle, il y a une loi, il y a un ordre. Tout le monde va se mettre à sa place et tout le monde va être dans les limites. Hein, parce que, et là, le sang va être préservé. Hein, ça va faire diminuer le crime. Et ça, il n'y a ça que dans l'islam. Hein, tandis que dans les systèmes de kufr et dans les systèmes faits par l'homme, fabriqués par l'homme, eh bien, tu vois que c'est le contraire. Ils défendent, ils protègent le crime et le meurtre. Hein? Allah al-Musta'an. Il protège le crime et le meurtre, hein? Et il l'encourage et il l'aide. Et la société, ils n'ont pas de miséricorde pour la société, ils n'ont pas de miséricorde pour la victime et pour ceux qui ont été victimes de ce meurtre. Ils ont la miséricorde seulement pour le criminel et le meurtrier. Ils disent ah non, il faut pas le tuer parce que c'est pas correct, c'est pas humain de faire ça. Hein, c'est pas humain, c'est sauvage, il faut pas le tuer. Et puis, si on le tue, ben, c'est comme si on faisait la même chose que lui. Hein, il faut pas faire ça. Il y en a qui disent aussi que, il faut protéger les criminels en prison. Subhanallah, ils les mettent en prison. Le chef, il dit, ils les mettent en prison. Il lui donne une peine à la cour. Le juge, il dit, bon, prison pour 500 ans. Ou prison pour 400 ans. Il va jamais rester 500 ans parce que tout le monde meurt. Même si on arrive à 100 ans, c'est beaucoup. Hein. Donc, donner une peine de 500 ans, quoi ça sert? Ou bien la peine à vie. Et puis après, ils vont voir son comportement en prison, peut-être après 15 ans. Bon, 6 mois, c'est exagéré. Alors, 6 mois, ça... Ouais, pas des meurtriers, ça dépend de quel crime. Mais en tout cas, pour des meurtres, il y en a, tu vois qu'il y en a qui sont restés, ça dépend, des fois 10 ans, des fois, hein, donc ça dépend des nombres d'années, mais s'ils ont un bon comportement en prison, ils ont un bon dossier, ils sortent, ils disent bon ça y est, il a payé sa dette envers la société, et il s'est réformé en prison, il a changé, tout. Et là ils sortent et ils continuent. Donc c'est pour montrer, hein, c'est pour montrer que, pour eux, la vie du criminel, ils ont plus de miséricorde pour la vie du criminel que pour la vie de la victime. Et c'est ça que le cheikh il essaie de faire comprendre ici. Et
La plupart des gens qui n'ont pas jamais eu de victimes dans leur famille, qui ont été exécutés, qui ont été tués dans la rue par un tueur ou quelqu'un meurtrier, ils ressentent, ils comprennent pas toujours ça, cette réalité-là, parce que ça leur est pas arrivé. Mais le jour que ça va leur arriver, que quelqu'un va se faire tuer dans leur famille, ils vont comprendre. Ils vont comprendre que la seule chose qui peut éteindre ce feu-là, c'est que la personne soit exécutée. Et c'est là que tu auras la sensation réelle que la justice a été établie et que la justice a été faite. Hein? Sinon, il n'y a pas vraiment de justice. Donc c'est ça le chef, qu'est-ce qu'il dit. Et dans les pays de coffre, il y en a maintenant ici aux États-Unis, on va parler du Canada, mais on va parler des États-Unis parce que c'est l'extrême, là-bas c'est la limite, les prisons sont remplies. Les prisons sont prêtes, sont toutes remplies maintenant. Hein? Et ils arrêtent les gens, subhanallah. Ouais, c'est ça. Et bon, bien entendu, il y a pour ça des taxes que les gens payent pour s'occuper des prisons. On leur donne à l'intérieur toutes sortes de confort, de luxe, hein, par rapport à qu'est-ce que des gens dans des pays où des gens ont pas d'argent. Ils ont même pas un dixième de qu'est-ce que ces prisonniers-là ils ont ici en prison. Les médecins, les soins, la nourriture, les repas, l'eau chaude, hein, vraiment, c'est vrai. C'est exactement, c'est comme un hôtel, mais sauf qu'ils doivent rester à l'intérieur. Mais il y en a, vous savez, qui font ça pour passer l'hiver, ils n'ont pas de maison et quoi. Ils font un crime. Ils vont leur faire rentrer pendant quelques temps pour passer l'hiver, 3 mois, 6 mois. Et puis après, ils sortent l'été. Et puis, ils ont... ouais, des sans-abri, des choses comme ça. Donc, là-bas, au moins, ils ont les soins gratuits. Ils ont la nourriture gratuite. Hein? Et tout ça, c'est, soi-disant, comme ils appellent, les contribuables. C'est eux qui paient avec les taxes, qui dépensent de l'argent pour faire vivre ces gens-là. Donc, les criminels, les meurtriers... Les violeurs, tous ces gens-là, ils mangent de l'argent des citoyens honnêtes. Hein. Et ça, c'est l'injustice. Et donc, ensuite, le chef donne le deuxième exemple. Donne le deuxième exemple. As-sayyib al-zani. As-sayyib al-zani. As-sayyib al-lazi wati'a imra'atahu al-muslima ou al-zimmiya. في نكاح صحيح فإنه صار محصنا بهذا الزواج فإذا زنى بعد ذلك الزواج صار من المفسدين في الأرض لأنه أدرك حرمة الأعراض وجرب الزواج فليس له عذر في تعديه وعنده ما يغنيه بالنكاح الصحيح الشرعي المفيد فإذا زنى فهذا دليل على خبثه وأنه يريد الشر والفساد فهذا يستباح دمه ويقتل بكيفية خاصة وهي الرجم بأن يرجم بالحجارة حتى يموت. Donc le cheikh explique, il dit, الثيب الزاني, c'est-à-dire la personne qui est mariée et qui fait le zina. Cette personne, Al-Sayyib al-Zani, c'est celui qui a été marié, hein, un homme, une femme, qui a été marié, sa femme, elle est musulmane ou chrétienne, si c'est un homme, dans un mariage qui est valable, qui est sahih, qui respecte les conditions. Donc, il a été protégé par ce mariage-là. On dit qu'il est muhsan. Ok, muhsan, pourquoi? Parce qu'il est protégé dans le mariage, par le mariage de tomber dans le zina. Eh bien, celui-là, lorsqu'il commet le zina, et après avoir connu ce mariage-là, eh bien, il devient parmi les gens qui font la corruption sur la terre. Parce qu'il n'a pas d'excuse pour faire le zina, il est marié. Hein? Tandis que dans l'islam, bon, on fait une distinction en français entre les deux. La fornication et l'adultère. L'adultère, c'est quand tu es marié, et la fornication, quand quelqu'un n'est pas marié. En arabe, les deux, c'est le même mot.
Hein? Sauf que, on va dire, As-Sayyib al-Zani, ou Zina al-Muhsan, c'est celui qui fait le zina alors qu'il est marié, qu'il est protégé. Et celui qui fait le zina, qu'il n'est pas marié, qu'il est célibataire, celui-là, on l'appelle zina aussi, Zani, sauf que lui, il ne va pas être exécuté, il ne va pas avoir la même peine que celui qui était marié. Celui qui était marié, sa punition est plus grande, parce qu'il fait de la corruption sur la terre, et il a connu la valeur de l'honneur et sa signification, il a eu l'expérience du mariage, donc il n'a pas d'excuse dans sa transgression des limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a ce qui lui suffit dans un mariage légal et bénéfique. Sans oublier que dans l'islam, il peut épouser une deuxième, ou une troisième, ou une quatrième, s'il veut. Donc il n'a pas d'excuse de s'en aller trouver une fille dans la rue comme ça, puis d'avoir des rapports avec elle alors qu'il n'est pas marié. Hein? Ou bien une femme, la même chose si elle est mariée, elle a son mari, d'aller avec un autre homme alors que ce n'est pas son mari, et de commettre l'adultère avec un autre homme. Ça, c'est quelque chose de grave. Et le cheikh il dit, « فَلَيْسَ لَهُ عُذْرٌ فِي تَعَدِّيهِ » Il n'a pas d'excuse. Et le cheikh il dit, donc s'il commet le zina après avoir eu le mariage et tout ça, alors ça prouve que la personne, c'est une personne qui est mauvaise en elle-même, et qu'elle veut le mal et la corruption et le désordre sur la terre. Hein? Et donc, dans ce cas-là, son sang devient halal, son sang devient licite, et il va être exécuté d'une façon bien particulière, c'est-à-dire qu'il sera lapidé jusqu'à la mort. On va lui lancer des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Ok? Et ça, c'est la peine qui est dans l'islam, et elle est mentionnée aussi, même dans la Bible des Juifs et des Chrétiens, dans l'Ancien Testament, il y a la même peine qui est prescrite pour ce péché-là. Donc si il y a un juif ou un chrétien parmi les koufars qui vous dit aujourd'hui « Ah, mais vous les musulmans, vous lapidez, vous faites la lapidation », il dit que ça c'est la prescription que Allah a révélée à Moïse dans la Torah, et les prophètes ont tous jugé par cette loi-là. Donc si vous avez quelque chose contre l'islam, parce que l'islam enseigne de suivre la loi que Allah a révélée aux prophètes, alors le problème il est chez vous, il n'est pas chez nous. Nous, la différence entre vous et nous, c'est que vous avez abandonné l'enseignement de vos prophètes, des messagers et de la révélation divine. Tandis que nous, non, on ne l'a pas abandonné, on s'y accroche et on croit qu'il n'y a rien qui est meilleur que cette loi-là, et qu'il n'y a rien qui est supérieur et plus bénéfique à l'humanité que ces lois-là que Allah a révélées. Tandis que vous, hein, vous vous permettez de faire tout ce qui est mauvais, et vous appelez les hommes à la perversité, à la fornication, à l'adultère, et à détruire les familles et l'honneur, et ça pour vous c'est pas un crime, et ça pour vous c'est pas grave. Tant que deux êtres, hommes ou femmes, sont consentants, vous leur permettez de faire ces choses-là. Et ça c'est immoral, c'est inacceptable. Et la même chose aussi pour les hommes qui font ça ensemble. Un homme qui fait ça avec un autre homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith qui est sahih, un hadith qui est authentique. En tout cas, le sens du hadith, ça dit, si vous trouvez un homme qui fait quelque chose avec un autre homme, alors tuez celui qui le fait et celui à qui la chose est faite. Celui qui subit et celui qui fait l'acte et celui qui subit l'acte. C'est-à-dire que dans l'islam, il y a cette punition-là pour ce crime-là qu'il doit être exécuté. Il y a une divergence d'opinion entre les ulama sur la sorte de punition pour ce crime, c'est-à-dire de la façon que cette personne sera, ces gens seront exécutés. Et il y en a des ulama qui ont mentionné ça, différentes paroles des ulama parmi les sahaba et comment on a appliqué cette peine sur eux. Il y en a qui ont mentionné le fait qu'ils doivent être jetés en bas d'une falaise. Il y en a d'autres qui ont mentionné qu'ils doivent être brûlés par le feu. Et d'autres ulama ont mentionné qu'ils doivent être exécutés par un coup d'épée sur la tête, dans le cou. Et ça, c'est la position que la majorité des ulama, en principe, ils prennent cette position-là, un coup d'épée dans le cou. Hein? Oui, c'est ça. Donc, c'est la peine pour eux. Et ça, c'est obligatoire aux musulmans de croire que cette chose-là est haram. C'est pas comme les koufars aujourd'hui qui essaient de faire comprendre que cette chose-là c'est naturel, que c'est normal, que c'est un choix, les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent, etc.
Non, il y a les lois que Dieu a révélées, et ces lois-là sont obligatoires de les suivre, de les respecter. Et on n'a pas à rentrer dans le dialogue des frères qui appellent aux droits de l'homme et à la charte des libertés pour appeler les hommes à se corrompre et à s'égarer du droit chemin. Donc ça, c'est important de le mentionner parce qu'il y en a des gens qui émettent maintenant des choubouhats là-dessus et qui disent c'est pas à nous de les juger, ce sont des êtres humains et tout. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit que ce sont des êtres humains, il n'y a pas de problème si ce sont des êtres humains ou non, mais le problème c'est que cette action-là qu'ils font, c'est ça qu'on juge. C'est pas la personne, Allah il va les juger, c'est sûr, au jour de la résurrection. Mais c'est pas ça le problème. Nous aussi, on juge dans cette vie. On juge les actions et les paroles des gens. Et ça, ça a un poids et ça a une signification. Hein? Sinon, pourquoi quand quelqu'un il fait un meurtre, on juge qu'il a commis un meurtre? Oui, on juge qu'il a désobéi à Dieu et à sa loi. Donc la même chose, quand quelqu'un commet la fornication, l'adultère ou les autres péchés de ce genre, on juge que ces choses-là sont des péchés, que ces choses-là sont interdites par Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va pas dire, par exemple, si ce sont des musulmans qui font ça, que ce sont des kuffars, hein, parce que c'est pas nécessairement kuffre. Ça ne veut pas dire que ça les fait sortir de l'islam, à part s'ils le rendent halal. S'ils disent que le zina c'est halal, ou que l'iwad, l'homosexualité c'est halal, ça c'est kufr, parce qu'ils l'ont rendu halal. Mais s'ils le font, ils ont commis ce péché-là, mais ils ne l'ont pas rendu halal, ça c'est pas kufr, c'est un grand péché parmi les kaba'ir, sauf que ça ne les fait pas sortir de la religion musulmane. Ouais. Ouais, c'est ça qui se passe maintenant. Il y a des groupes de. Oui, dans les pays musulmans, il y a des groupes comme dans certains pays, on voit qu'il y a des appels à la. Ça, c'est des laïcs. C'est des gens, soit des laïcs. Et les laïcs, souvent, sont ceux qui sont à la tête des mouvements laïcs. C'est des gens qui ne croient pas en l'islam, soit des juifs, des chrétiens, ou des gens qui disent musulmans, mais seulement de culture ou de tradition musulmane, mais qui ne croient pas réellement en l'islam, ou qui ne connaissent pas réellement les règles de l'islam, et qui ont pris les règles des kuffars et les lois des kuffars comme si elles étaient supérieures aux lois de Dieu, et comme si elles étaient meilleures que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est kuffre aussi. Donc ces gens-là, comme tu dis, dans les magazines de femmes, les trucs de mode et de beauté, des trucs comme ça, là, il y a toujours des gens qui écrivent des articles dans ces magazines-là, des gens qui ne connaissent rien de la religion, et qui ne sont pas capables de renier les vérités qui sont dans le Coran et dans la Sunna, mais qui utilisent d'autres arguments pour essayer de corrompre les gens en leur disant que, par exemple, il faut faire preuve de tolérance ou il faut accepter ça. Et donc, ils appellent les peuples musulmans à la corruption et au désordre moral. Et nous, on n'a pas accepté ces choses-là. On n'a pas accepté ces choses-là, et même s'ils nous traitent d'homophobes ou d'homosexophobes ou d'homophiles ou je ne sais pas quoi d'autre encore, on ne va pas accepter, on n'a pas le droit d'accepter ces choses-là. Et franchement, subhanallah, c'est pas que les musulmans qui acceptent pas ça. Toutes les personnes qui prétendent suivre une religion, hein, parmi les fausses religions, même eux, ils sont contre ça. Même les chrétiens qui sont des mouchriquins et des koufars, ils sont contre ces choses-là. Même les juifs qui sont un peuple égaré et mécréant, ils sont contre ça. Même les autres gens qui sont dans d'autres religions aussi, ils sont contre ces choses-là. Donc, comme, les Rastas, eux, ils sont encore plus extrémistes, hein, c'est des kuffars et mushrikines qui croient que Haïli Salassi, c'est Dieu incarné, hein, que l'ancien roi d'Égypte était Dieu incarné, et qui fument de la drogue comme une adoration, ils pensent que de fumer la marijuana, c'est une adoration. Donc ces gens-là, c'est des gens qui font la musique, là, le reggae et tout ça, comme Bob Marley, ces gens-là, eux, ils tuent, ils les brûlent, les homosexuels dans la rue. Non, ça c'est pas l'islam. Nous, les musulmans, on n'a pas le droit de prendre des homosexuels dans la rue puis de les tuer.
faut avoir des preuves, et non seulement faut avoir des preuves, c'est pas juste quand quelqu'un il agit comme une femme, ou il parle comme une femme, il est efféminé, que ça veut dire que là, ça veut dire que tu vas le prendre, tu vas le tuer. Premièrement, les peines, c'est pas nous, les musulmans qui les appliquons, c'est les dirigeants et les responsables. C'est eux qui appliquent ces peines-là. Et c'est pas la, c'est pas homosexuel, ça veut pas dire que c'est un homme nécessairement efféminé qu'il est automatiquement homosexuel. Ou qu'une femme qui est un peu avec des manières d'homme, qui est lesbienne. Mais le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam a maudit l'homme qui agit comme une femme, et qui parle comme une femme, et qui s'habille comme une femme, et il a maudit la femme qui habille et qui agit comme un homme. Mais ça ne veut pas dire que c'est un homosexuel. Hein? Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Il faut mettre les choses en, à leur bonne place et comprendre chaque chose. Donc, nous, on ne va pas dans les extrêmes, mais en même temps, on clarifie les choses et on explique les choses comme il faut. Hein? Ben oui, c'est ça. Non, c'est ça, il faut. C'est, souvent, c'est l'éducation. Il y a des parents, Allah al-Musta'an, surtout parmi les kuffars, qu'est-ce qui se passe des fois, quand ils ont un enfant, ils voulaient avoir un garçon. Puis, c'était une fille qu'ils ont eue. Eux, ils avaient déjà dans le cœur, ils voulaient avoir un fils. Donc, ils ont élevé la fille comme un garçon. Ils lui ont fait faire des sports de garçon, ils l'ont habillé comme un garçon, ils l'ont traité comme un garçon. Après, quand le temps arrive pour qu'elle agisse comme un petit garçon, c'est ça, l'éducation, ça a un lien aussi avec ça. Et le contraire aussi, il y en a qui voulaient une fille, ils ont eu un garçon. Ah, là, ils lui donnent des vêtements de fille, des couleurs de fille, des poupées, des trucs comme ça, ils l'élèvent comme une fille. Souvent, des fois, quand c'est les mères qui sont monoparentales, qui éduquent un garçon toute seule, étant donné qu'il n'y a pas de présence masculine des fois dans la maison, le garçon il voit juste sa mère tout le temps, et puis peut-être que sa mère elle fait des trucs bizarres des fois, tu sais. Donc Allah al-Musta'an, il prend ses manières, il devient comme une femme, ou bien il y a des exemples comme ça. De toute façon, l'important de comprendre, c'est que qu'est-ce qui est le crime et le péché, c'est la sodomie, c'est ça qui est le crime et le péché qui est punissable dans l'islam. Et bon, Al-Sayyib al-Zani, donc on a expliqué la punition. Wa hada mutawatir, contrairement à Tariq Ramadan, lui qui appelle à un moratoire, qui dit ce qu'il faut. Il dit, j'appelle à trois choses. Premièrement, que disent les textes? Deuxièmement, quelles sont les conditions pour appliquer ces textes? Et quatrièmement, il faut arrêter toutes les applications et faire un moratoire. Lui, il dit ça, là, cet abruti, qu'Allah le guide. Hein? Eh bien, il faut. Non, c'est vrai, Allah al-Musta'an. La première chose, que disent les textes? Est-ce que c'est toi aujourd'hui, en 2009, que tu demandes au ulama de l'islam, qui étudie l'islam depuis 1400 ans? Depuis 1400 ans, on a le Coran et la Sunna qui nous expliquent les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans oublier que ces lois-là existaient déjà chez les juifs et les chrétiens dans leurs livres. Toi aujourd'hui, maintenant, tu arrives, tu dis, il faut voir que disent les textes. Tu penses que les ulama, ils n'ont jamais analysé qu'est-ce que les textes disent, jusqu'à ce que toi, tu arrives pour, soi-disant, relire les textes, hein? Deuxièmement, est-ce que les conditions sont présentes? Ben, les gens qui font appliquer ces punitions-là dans les pays musulmans, ce sont les ulama. Est-ce qu'ils ne savent pas, eux, les conditions de ces punitions-là, qu'est-ce qu'elles sont et est-ce qu'elles sont présentes? Troisièmement, il faut faire un moratoire et arrêter. Parce que lui, il dit, non seulement qu'il faut que les conditions soient présentes, mais soi-disant pour lui, il faut que la société soit parfaite, qu'il n'y ait plus de péché du tout, qu'il n'y ait plus de pauvreté, qu'il n'y ait plus de tentation, qu'il n'y ait plus de désir. Là, après, quand il y a cette société-là, utopique et qui n'arrivera jamais, qu'on n'aura jamais ce niveau-là, là, après, si quelqu'un fait la fornication ou l'adultère, là, après, on va appliquer la peine. Comme Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, il a dit au sujet de ces gens-là, il dit ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent dire en réalité, c'est qu'on ne peut pas appliquer la charia et qu'on ne doit pas l'appliquer. Hein? Ça, c'est l'égarement, ça. Il dit, il faut réformer la société avant d'appliquer la charia et avant d'appliquer l'islam. Cheikh Mohamed Aman Al-Jami a dit,
par quoi on va réformer la société autre que par la charia? Puisque la charia, elle a été révélée pour réformer la société. Toi, tu veux réformer la société par autre chose que l'islam avant d'appliquer l'islam? C'est quoi cette autre chose? Hein? Donc, le Cheikh dit, « وهذا متواتر في القرآن والسنة وعمل المسلمين وهو حد من حدود الله عز وجل لا يكفي أنه يقتل بالسيف بل لابد أن يرجم وفي مجتمع الناس علانية في مجمع الناس علانية من أجل أن يرتدع الباقون وهذا من محاسن الإسلام وحمايته للأعراض وحفظا للفروج قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون ففيه حماية للنسل ووقاية المجتمع من الأمراض الفتاكة بسبب الاستمتاع غير الحلال. Le Cheikh dit ça, c'est quelque chose qui est mutawatir, c'est-à-dire c'est rapporté par un grand nombre de hadiths et de ulama et de parmi les sahaba et les narrateurs dans l'islam, dans le Coran et dans la sunna et dans l'application des musulmans depuis des siècles, ça a toujours été. Et c'est une des punitions que Allah a révélées parmi les punitions de l'islam. Et donc, c'est pas suffisant que celui qui fait le zina il soit tué par l'épée. Il faut qu'il soit absolument lapidé. Et qu'il soit fait, que la lapidation soit appliquée devant un groupe de personnes, devant tout le monde, ouvertement. C'est pas que tu te la fasses dans une petite pièce avec quelques personnes, non. Un grand nombre de personnes, devant tout le monde, pour que tout le monde ait peur, tout le monde voit la punition et la conséquence de ces péchés-là. Et ça, ça fait partie des belles choses de l'islam qui protègent l'honneur, qui protègent les parties génitales des gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 5 dans Surat al-Mu'minun, et ceux, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, et ceux qui préservent leur partie génitale. Hein, il y a là-dedans la préservation également et la protection de la progéniture et des liens de parenté. Et il y a la protection également de la société contre les maladies qui tuent, hein, les maladies qui se transmettent, comme le sida et les autres maladies qui tuent également. Et ça, c'est très grave. Donc, tout ça c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et les règles qu'il a révélées à ce sujet-là. وقد اشتهر امر من امر هذه الامراض في العصر الحديث وظهرت احصائيات عن مرض الايد الذي اصاب المجتمعات التي تشيع فيها فاحشه الزنا واللواط ويموت الملايين الآن من البشر بسبب هذه الجريمة الفظيعة ولهذا يقول جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Le Cheikh dit, et puis à l'époque actuelle, dans l'époque moderne, il y a des statistiques qui sortent, qui montrent les nombres de personnes qui sont atteintes du sida dans les sociétés dans lesquelles il y a le zina et l'homosexualité qui sont propagés dans ces sociétés-là, les gens meurent par millions à cause de cette maladie, à cause de ce crime. Non, ça a commencé chez les homosexuels, par la suite, ça s'est propagé par l'extérieur après. Donc ça c'est pour dire quoi? Ça c'est pour dire, yani, que ces péchés-là c'est à cause justement du zina. Donc, le Cheikh, il dit, Allah, il dit dans le Coran, n'approchez pas du zina. C'est-à-dire, n'approchez pas du zina dans le sens, c'est pas, faites pas le zina. C'est approchez même pas, yani, ne vous approchez pas de ce péché-là. Tout ce qui vous amène à ce péché-là, vous ne devez pas le faire. Voilà taqrabu zina. Le Cheikh, il dit, voilà taqrabu zina, lam yakul la taznu faqat. Wa ma'na zalika, utrukul asbab allati tuwassilu ila zina. من النظر وصفر المرأة بدون محرم وتبرج النساء وصفورهن واختلاطهن بالرجال هذه أسباب للزنا وكلها نهى عنها الشارع سدا لذريعة الوقوع في الفاحشة. Donc dans l'islam il y a le principe de sad de zari'a, le principe que tout ce qui peut t'amener à un péché tu ne dois pas le faire. Mais ici il n'y a pas de sad de zari'a dans la société de kufr. Il n'y a pas de fermer la porte au péché. Ici, au contraire, on ouvre toutes les portes au péché.
Le principe de l'Occident, c'est le contraire du principe de l'Islam. Le principe des sociétés de kufr, c'est le principe qui est opposé complètement, le contraire de la société de l'Islam. Ici, c'est le contraire, c'est qu'on te dit, ouvre toutes les portes vers le péché. Tout ce qui peut t'amener vers le zina, fais-le. C'est ça ce qu'on dit ici. L'Islam, c'est le contraire. Tout ce qui peut t'amener vers le zina, fais-le pas. C'est ça que l'Islam te dit. La femme, elle se met le hijab, elle se couvre son corps quand elle sort dehors, on ne peut pas la voir. Hein, déjà, ça c'est une protection. Tu peux pas le regard, c'est la première porte vers le zina. L'Islam vient fermer cette porte. Après, la femme, elle ne peut pas voyager seule. Elle ne va pas faire des voyages seule. Elle sort avec un homme de sa famille qui la protège. Ici, non. La femme doit être indépendante, doit sortir comme elle veut, quand elle veut, faire qu'est-ce qu'elle veut. Hein? Et les femmes qui s'habillent n'importe comment. Elle dit n'importe comment. Quand on dit n'importe comment, là, c'est pas n'importe comment. C'est vraiment dans le sens de n'importe comment. Elle dit, s'il y a des femmes du siècle dernier qui pouvaient venir visiter notre époque aujourd'hui, des femmes de cette époque-là qui faisaient de la prostitution, qui venaient dans notre époque pour voir les femmes comment elles marchent dans la rue, elles diraient, ces filles-là aujourd'hui sont toutes habillées comme elles. Pire que des femmes de cette époque-là qui faisaient la prostitution. Parce que c'est la mode populaire maintenant. Les références qui sont devenues comme ça. Et maintenant, tout le monde s'habille n'importe comment. Maintenant, les filles portent des collants pour marcher dans la rue. Des bas collants pour marcher dans la rue, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles marchent nues. C'est ça la réalité. Il n'y a pas de différence. Donc, elles se mélangent en plus avec les hommes. C'est-à-dire, non seulement, l'islam dit, on ne doit pas se mélanger les hommes et les femmes. Cette société ici, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, il faut mélanger les hommes et les femmes. Il faut qu'ils soient ensemble tout le temps. Hein? Et donc, l'islam est venu pour fermer la porte au péché. Les koufars ici et leur système et leur mentalité, ils sont venus pour détruire toutes les portes qui amènent les gens au péché et pour les encourager à faire le péché. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, avec qui les gens vont, quand ils vont arriver, avec qui ils pensent à faire, avec qui le zina. Ici, très facile de faire le zina. Hein? N'importe qui, les gens sont tout mélangés, les femmes s'habillent n'importe comment, les hommes ils respectent pas les femmes, hein? N'importe quoi, les femmes se respectent pas elles-mêmes, elles respectent pas les hommes, tout le désordre social, hein? Les maladies, les problèmes, les zina, tout ça, les discothèques, les bars, les clubs, bon, ça c'est des exemples. Dans l'islam, non, la société musulmane elle est basée sur cette dharia. Fermer les portes au péché. Dans une société musulmane, on interdit tout ce qui amène les gens au péché. Tout ce qui peut te faire tomber dans le péché, c'est stoppé. On l'arrête. Ici, non, c'est le contraire. C'est pour ça que je dis, si quelqu'un vient dans un pays musulman, il ne peut pas facilement faire qu'est-ce qu'il veut comme péché. Hein? Quand quelqu'un arrive dans les pays comme par exemple en Arabie Saoudite ou à Médine, hein, à Mecca ou dans d'autres villes dans l'Arabie Saoudite, il veut faire le haram. Il a envie de faire quelque chose de haram. Il faut qu'il va avoir beaucoup, 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 beaucoup de difficultés. C'est pas facile. Mais quand il va venir ici, est-ce que c'est difficile? Non. C'est moins difficile ou c'est facile parce que toutes les portes sont ouvertes. L'islam est venu pour interdire et rendre difficile les péchés, pour stopper les péchés. Tandis que les kuffars, eux, ils veulent le contraire. Ils veulent faciliter les péchés, faciliter le mal. Donc, on a fini avec ce point-là, Inch'Allah, on espère que c'est clair. Après, le cheikh, il parle du troisième point. الثالث, التارك لدينه, وهو المرتد. قال صلى الله عليه وسلم, من بدل دينه فاقتلوه. لأنه شهد واعترف أن هذا الدين حق, ودخل في الإسلام, ثم بعد معرفته واقتناعه يرتد. فهذا دليل على فساد فلهذا يقتل حدا حماية للدين من التلاعب وسدا لطريق المفسدين الذين يريدون صرف الناس عن الدين لأن بعضهم يدخل في الإسلام ظاهرا ثم يرتد ليقول الناس لم يرتد إلا لأنه رأى أن الدين ليس فيه صلاحية لأن هذا الذي ارتد من المفكرين ومن
المدركين لأن هذا الذي ارتد من المفكرين ومن المدركين للأمور ولو أنه رأى في هذا الدين خيرا لما ارتد وهكذا يقول المنافقون وضعاف الإيمان فإذا قتل فإن الناس يحترمون الدين ويتوقفون عن التلاعب به. Donc le cheikh il dit, la personne qui par exemple, la troisième cas des gens, des choses qui sont parmi les nécessités, des choses essentielles qui doivent être protégées de la religion, par la religion, c'est le fait que la personne qui abandonne l'islam, abandonne la foi, il doit être exécuté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça dans un hadith sahih, « Man baddala dinahu faqtulou » Celui qui abandonne sa religion, tuez-le. C'est-à-dire que l'apostat doit être exécuté. Il doit être exécuté lorsqu'on l'a attrapé en train de faire, de dire ou de pratiquer quelque chose qui est shirk ou kufr, hein, parmi les paroles ou les croyances ou les pratiques qui sont shirk ou kufr. Et il est amené devant le juge. Et on va le juger pour ça. Et il va avoir un délai pour se repentir et pour revenir à l'islam. Et s'il refuse malgré tout par la suite, après qu'on lui ait présenté les explications et les preuves, de se repentir et de revenir à l'islam, il sera exécuté. Et donc le cheikh il dit pourquoi? Parce que cette personne elle a témoigné de l'islam. Elle a reconnu que l'islam est la vérité. Puis elle est rentrée dans l'islam. Puis après avoir connu l'islam et après en avoir été convaincue, elle l'apostasie, elle quitte la foi. Donc ça c'est la preuve de la corruption. Donc ça c'est la preuve de sa corruption, la preuve que cette personne-là elle est corrompue. Et donc on doit l'exécuter pour protéger la religion, pour pas que les gens commencent à jouer avec. Parce que l'apostasie c'est pas seulement que quelqu'un dise aujourd'hui qu'il est musulman, puis qu'il dit je quitte l'islam, je deviens chrétien, ou je deviens athée, ou je deviens juif, ou je deviens une autre religion. C'est pas seulement ça l'apostasie. L'apostasie ça peut être aussi quelqu'un qui pense qu'il est musulman, mais qui nie des choses de l'islam. Hein? Il dit par exemple, moi je crois pas en ci, moi je crois pas en ça, moi je suis pas d'accord avec ci, moi je suis pas d'accord avec ça, moi j'accepte ci, moi j'accepte pas ça. Et il joue avec la religion. Il prend ce qu'il aime, il laisse ce qu'il n'aime pas. Il prend ce qui est en accord avec ses passions, il laisse ce qui est contraire à ses désirs et ses passions. Il prend la religion pour un jeu. Celui-là aussi, il a quitté la religion, même s'il n'a pas officiellement, ou même s'il pense qu'il est encore musulman, il a quand même quitté la religion puisqu'il nie des aspects de la religion. Ou bien quelqu'un, par exemple, qui se dit musulman, comme c'est le cas de beaucoup de musulmans dans le monde aujourd'hui, qui adore des tombes, qui adore des saints, qui vont prier à des morts, qui leur demande de les exaucer, de leur donner des bénédictions, ou de leur donner de l'argent, ou des biens, ou de les guérir d'une maladie. Ces gens-là se disent tous musulmans, ils disent là, il arrive Allah, ils font la prière, ils font le jeûne, ils font le hajj, et ils font du shirk. Et ça, c'est un shirk majeur, qui fait quitter l'islam, qui fait sortir de la religion. Donc l'apostasie, c'est pas seulement de dire, je vais quitter la religion, mais des fois même, des gens qui commettent des actions, qui annulent leur islam, et ils se pensent musulmans, et ils prient, et ils font les actes de la religion, mais ils quittent l'islam, donc ils ont quand même apostasié l'islam sans l'apercevoir. Donc ces gens, mais il y a une catégorie, comme le cheikh il dit, ces gens-là ils reconnaissent la validité de l'islam, et après ils le quittent. Et c'est dans le but d'empêcher que les gens acceptent l'islam, comme par exemple certains d'entre les koufars qui acceptent l'islam en apparence, puis qui la quittent, pour que les gens disent ah, celui-là, il a accepté l'islam, après il l'a quitté, c'est la preuve que c'est pas une bonne religion. Et donc les gens qui ont des doutes, ou qui ont des faiblesses, une faiblesse dans leur foi, ils vont dire, ah ben, ça c'est la preuve que cette religion-là, elle est pas bonne. Et ils vont commencer à mettre des doutes dans le cœur des gens, et jouer avec la religion. Donc pour empêcher ça, il y a la religion, dans l'islam, une peine pour punir ces gens-là. Pour punir ces gens-là, pour empêcher justement qu'ils jouent avec la religion et pour qu'ils aient du respect pour la religion. Tandis qu'ici, dans les pays de Kouf, quelqu'un peut croire ce qu'il veut, rejeter ce qu'il veut, adorer ce qu'il veut, prier à ce qu'il veut, ça n'a aucune importance, ni pour la société, ni pour le gouvernement, ni pour les individus, ni pour personne. Pourquoi? Parce que la foi, la religion n'a plus d'importance pour personne ici.
Et donc, c'est plus une question importante, c'est devenu une question, surtout avec la laïcité, elle est devenue quelque chose d'insignifiant pour la. Parce que la religion n'a aucune influence, aucun impact réel dans la vie des individus. C'est quelque chose, que tu le fasses ou que tu le fasses pas, ça change rien à personne. Alors que dans l'islam, non, c'est le contraire, c'est la chose la plus importante dans la vie. C'est la base de la société. L'islam, parmi les lois les plus importantes dans l'islam, les premiers fondements, c'est la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est la base même de la religion. C'est-à-dire de nier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et d'interdire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et de détruire toutes les idoles, les statues et les choses qui sont adorées en dehors d'Allah. Donc ça vient détruire toute l'idée que quelqu'un pourrait avoir la liberté de croire ou d'adorer ce qu'il veut, c'est pas vrai. Hein? Ça c'est pour montrer en fait que l'islam n'est pas venu pour donner aux gens la liberté d'adorer ce qu'ils veulent. Mais ici, les gens ont le droit d'adorer ce qu'ils veulent et de faire ce qu'ils veulent. Tu rentres dans un restaurant, subhanallah, tu vois une statue par terre. Les gens ils mettent du riz, une canette de Coca-Cola devant la statue. Mais c'est quoi la logique là-dedans, hein? Ouais, quand je suis rentré pour manger, j'ai vu ça, j'avais plus envie de manger. Ils donnent du Coca-Cola. Alors Dieu, A'udhu Billah. Après le chef il dit, يقولوا وقوله المفارق للجماعة قيل هو الذي يخرج على ولاة الأمر ويفارق جماعة المسلمين ويراد بذلك الخوارج والبغاة ومن شق عصا الطاعة وخرج على الجماعة فإنه يقاتل دفعا لشره وإذا قتل بالقتال والجهاد فإن قتله مأذون به شرعا لأنه صيانة للدين من التلاعب وصيانة للاجتماع أو لاجتماع كلمة المسلمين هذا هو المفارق للجماعة لشيخ الزي المفارق للجماعة c'est-à-dire celui qui veut diviser le corps des musulmans, celui qui veut diviser les musulmans, c'est-à-dire que dans un pays musulman, lorsqu'il y a un état, lorsqu'il y a un chef d'état, un responsable, un dirigeant, un roi, un président, un khalifa, peu importe, hein, c'est pas permis de venir puis de s'opposer à lui puis d'essayer de l'enlever ou de prendre sa place. C'est lui qui est au pouvoir, c'est lui qui reste au pouvoir, toi tu écoutes et tu obéis dans le bien. D'accord? Et celui qui vient pour diviser les musulmans et d'essayer de prendre la place de ce dirigeant-là, comme les khawarij ou bien les bourrates, hein, les gens qui veulent prendre le pouvoir d'une façon par la force et tout, eh bien ceux-là ils ont désobéi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et donc ils doivent être combattus, ces gens-là. Ils doivent être combattus pour repousser leur mal et si le dirigeant musulman décide de les combattre, ces groupes-là, eh bien ce sera un djihad dans ce cas-là dans lequel il sera permis de les tuer légalement, pour protéger la religion et pour protéger l'unité des musulmans contre ceux qui veulent diviser la jama'a. فدل ذلك على أن المسلم يلزم جماعة المسلمين وإمامهم ولا يفارقهم فإن فارقهم استحق القتل حماية للأمن ولجماعة المسلمين وحماية للكلمة من التلاعب والفساد الذي يسمونه حرية الرأي وقد كفل الإسلام حرية الرأي بالحق قد كفل الإسلام حرية الرأي بالحق بأن يعمل المسلم على إظهار الحق ولا يخاف في الله لومة لائم أما حرية الرأي بنصر الباطل وترك الدين والطعن فيه وسب أهل الخير فهذه حرية باطلة مفارقة للجماعة. Donc le cheikh explique maintenant. Il dit que donc ça indique quoi? Ça indique que le musulman il doit rester avec le chef de l'État dans un pays musulman et rester avec les musulmans en général et ne pas se séparer des musulmans ou d'essayer de les diviser. Et s'il essaie de faire ça, alors il sera tué. Pour protéger la sécurité et pour protéger l'unité des musulmans. Et également pour protéger la parole des musulmans pour qu'ils restent unis, pour pas qu'on commence à jouer et à faire de la corruption
au nom de ce que les gens prétendent aujourd'hui, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de point de vue, etc. Donc maintenant, ça c'est devenu le cheval que les laïcs utilisent pour essayer de diviser les gens parmi les musulmans dans les sociétés musulmanes. Au nom de la liberté d'expression et de liberté d'opinion, ils expriment toutes sortes de choses qui sont contraires à la religion, et puis ils divisent les musulmans, ils divisent la parole des musulmans. Donc le cheikh, il dit que dans l'islam, il y a la liberté de la liberté d'opinion, mais seulement pour la vérité. C'est-à-dire que tu es libre d'exprimer seulement la vérité. Mais le faux, tu n'as pas de liberté de l'exprimer. Tandis que chez les koufars, liberté d'expression, ça ne prend pas en considération est-ce que c'est vrai ou faux, est-ce que c'est al-haq ou al-batil, est-ce que c'est le kufr ou l'iman, c'est pas important pour eux. Pour eux, que tu dises le kufr, que tu dises le shirk, que tu dises des mensonges, des choses fausses, tu as le droit, la liberté d'expression. Dans l'islam, non. Liberté d'expression dans l'islam, c'est seulement pour dire la vérité, pour rappeler au tawhid, pour rappeler à la sunna, pour rappeler à la vérité, à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, à qu'est-ce qui est bien, à qu'est-ce qui est bon, oui. Mais pour rappeler au kufr, pour rappeler au shirk, pour rappeler à la bid'a, pour rappeler au péché, pour rappeler à la corruption, pour rappeler au désordre, pour rappeler au mal, non. Il n'y a pas de liberté pour ces choses-là dans l'islam. Hein? T'es libre de faire ce que Allah ordonne et ce que Allah a permis, et d'appeler au bien, mais commencer à appeler à tout ce qui est contraire à l'islam, il n'y a pas de liberté dans l'islam pour ça, et c'est ça le malheur de ces gens-là. Eux, les koufars, ils veulent la liberté de kufr, la liberté d'opinion de kufr, d'abandonner la religion, d'attaquer la religion, de critiquer, d'insulter les gens qui appellent au bien, c'est ça qu'ils veulent comme liberté, eux. Et ça, bien entendu, c'est une fausse liberté. Et c'est une division pour les musulmans. Et l'islam ne permet pas ce genre de liberté-là. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Et c'est très important de se le rappeler. Et lorsque quelqu'un prétend, par exemple, que dans l'islam, il y a la liberté d'opinion, comme chez les koufars, comme il y en a certains islamistes maintenant, qui prétendent ça, qui appellent à dire, comme par exemple, oui, n'importe qui a le droit de dire ce qu'il veut, dans l'islam, il y a la liberté d'opinion, montre-moi ça dans le Coran et dans la Sunna, où Allah a permis le faux, où Allah a permis le shirk, où Allah a permis le kufr, où Allah a permis le mensonge, où Allah a permis le péché et de dire le péché, c'est écrit nulle part. Au contraire, dans le Coran, Allah nous ordonne d'interdire ces choses-là et d'ordonner le bien. Alors, ces gens-là, ces islamistes, qui veulent justement rentrer dans le même jeu que les koufars et jouer avec eux et parler avec leurs mots et s'exprimer dans leurs termes pour égarer les musulmans et les koufars, ces gens-là doivent être réfutés et on doit clarifier pour les autres leurs mensonges, leurs contradictions et leurs égarements parce que ce qu'ils font, yani, en fait, c'est très dangereux pour l'islam et pour les musulmans. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك